Il doit être quelque part par là. Vous voulez encore du café? Non, merci. Dès que j'ai mon diplôme, je retourne vivre à Auckland. Cet endroit est une véritable porcherie. Il y a un dispensaire pour animaux là-bas. Ils m'ont proposé un poste au labo. Au début, je vais toucher un peu à tout, mais après, je compte me spécialiser dans les chevaux. Kelly et moi, on adorait les chevaux. La voilà. Je ne me souviens plus qui l'a prise. C'est moi. Je n'ai jamais su ce qu'il y avait de si drôle. Elle ne vous l'a jamais dit? Désolée. C'est ce mois-là que je suis parti en Irak. Elles m'ont accompagné jusqu'à Pendleton. Je ne les ai plus revues. C'était une boîte à souvenirs. Dedans, il y avait des choses qui nous étaient précieuses. On avait rempli cette boîte avec nos trésors. Enfin, surtout ceux de Kelly. Et on l'avait enterré dans votre jardin. On s'asseyait dessus. Je n'ai pas arrêté de pleurer. Je repense toujours à elle après toutes ces années. Et si elle était encore là, je me demande quel genre de fille elle serait. Ton genre. Tenez, prenez-la. Je vais vous la donner. Non, non, cette photo, c'est ton souvenir. Non, notre souvenir. Je dois y aller. Merci pour le café. Il n'est pas bon, hein? Encore merci. Vous m'avez bien aidé. Tu sais où me trouver. S'il revient, n'hésite pas. Et ferme bien ta porte. Écoute, là, je peux pas tout expliquer en détail au téléphone. On peut se voir, si tu veux. Bah, faut que je te laisse, je reviens. Sergent Rudy M.A.C.